Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve sur FC24 pour continuer notre compétition en Ligue 1 et ce sera l'Olympico, le premier de cette seconde saison sur la chaîne et il sera au Vélodrome de Marseille, donc à l'extérieur, donc ça promet d'être un match, je l'espère en tout cas, intéressant. En général c'est toujours intéressant mais voilà. Alors je fais mes petits changements bien sûr comme d'habitude pour permettre à des joueurs qui ont moins joué Sabine Nathan de... Bah de jouer hein, tout simplement et on en a bon, je vais encore une fois pas mettre tout le monde à chaque fois mais ça permet à tout le monde de jouer enfin, à une partie tout le monde. On peut mettre un attaquant de des pointes. Ah ouais, Djeko, ça fait longtemps. Ok, ce sera ça pour cette fois-ci. Marseille-Lyon, le premier Olympico de la saison. Sachant que pour l'instant, on a largement le score. Et ça ne veut pas dire qu'il faut se relâcher, bien au contraire. Donc c'est parti pour cette rencontre. Let's go. Et j'en profite pour vous rappeler bien sûr de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour m'encourager, pour soutenir la chaîne et pour la faire progresser. Et n'oubliez pas la barre de commentaires qui est très importante. Je rappelle également que jusqu'au 400 abonnés, le prochain gros objectif, vous avez la possibilité, tous les 3 abonnés, de proposer tout simplement un contenu, un sujet de l'autre de Marseille. Et après les contraintes, ça aussi vous pouvez, mais dans la mesure du possible, bien entendu. Mais en tout cas, le sujet vous est pas imposé du tout. Au contraire, lâchez-vous, proposez vos meilleures idées et nous, on va proposer notre meilleur but. Je sais pas si c'était le meilleur, mais il était pas mal. C'est Yannick Carrasco que j'ai fait remettre, hein. Ça fait un moment que je n'avais pas joué. Donc voilà, abonnez-vous, n'hésitez surtout pas. Et je rappelle aussi qu'il y a un sondage tous les 10 abonnés qui vous laisse le choix entre deux types de contenu que je vous propose. Et jusqu'au prochain gros objectif, chaque gros objectif ce sera un let's play plus conséquent. Les autres objectifs ce seront des vidéos un peu plus chill, un peu plus courtes. Donc ce seront pas forcément, ou alors des petits let's play. Petit let's play court, et sur des jeux, ça comme ça. Là, ce seront pas des grosses prestations. Ah, il faut bien décocher. Très bien, le ballon. C'est péjoratif. Ce ne seront pas des grosses prestations, mais en tout cas, ce seront des jeux différents. Et puis, ça dépend de mon mood aussi. La volonté que j'ai de vous proposer tel ou tel jeu, et pas un autre. Sur cette action, mais pas comme ça en fait. Ah, comme d'hab, hein, le soutien qui met 3 ans à venir. Et il a passé dans le dos de la défense. Ouais, bel arrêt, mais c'était pas fini. Voilà le gardien qui anticipe. Joué. Frankie de Jong. Et Dean Dzeko. Il faut bien négocier ce ballon là. Oh punaise, passez-le. C'est mou comme ça. Oulala l'erreur. Oh là 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 là, le gardien! J'étais tellement mal placé! Edith Dzeko à la réception. Grosse frappe! Oh, c'est complètement à l'extérieur! L'attaque se poursuit, bloquée. Oh, le ballon intéressant! Allez, cette fois, ça fait 2-0. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Kevin Danso. Close et du ballon. 5-10 Under. Le ballon pour Mbemba. Rongier. Super effort pour récupérer le ballon. Ouais, c'est bien vu, la passe de Doku. Et le gardien avait bien anticipé ce ballon en profondeur. Ah non, ça va être perdu par Lyon. Ouais, dans la profondeur. Ah, ce ballon peut faire mal. Là, c'est froid. C'est dedans. Les cœurs se creusent un peu plus avec ce troisième but.
Regardez, le but il arrive juste après une grosse seconde de pression sur la relance. Une minute de jeu minimum. Pedro Neto en direction de Mbemba. Ce sera ça, ça y est, pour la cette première période. 3-0 pour l'instant. Très très belle prestation. L'Olympique a défait la course en tête. C'est le début de la seconde période. Centre de Rashford. Quelle intervention absolument décisive. Un peu de coaching. Après, ils ne sont pas toujours bien positionnés aussi. C'est... Edin Dzeko à la réception. Très très bel arrêt, mon gars. Corner. On s'est donné en retrait. Elle a frappé contrée. Ah, il n'avance pas. Il attend que le défenseur revienne. Voilà. Encore un undefined. Le joueur le plus populaire de la Terre. Encore un ballon perdu par l'Olympique Lyonnais. Non. Le ball pour Renan Lodi. Le ballon en douche. Rongier. Et ça joue sur compte d'Obia. Kevin Danso. Obia. Oui, c'est bien défendu. Rashford avec ce ballon. Possibilité de tirer. Intervention. Oh punaise. Le goal qui nous sort des arrêts de l'enfer, hein, clairement. Oh là là. Mauvais contrôle qui donne lieu à cette frappe complètement ratée. Frappe contrée, le danger est toujours présent. Il s'est dégagé par la défense. Interception et récupération du ballon. Marcus Rashford en bonne position. C'est bon, 4-0 les mecs. Et ce but vient alourdir un peu plus le score. Plus 4 tableaux d'affichage. La relance est complètement affichée par la pression. Qui va marquer ce but là. Un bon ballon et un but. Oh là, l'erreur de passe. Une bonne opportunité à jouer là-dessus. Et le danger est toujours. Allez, ça oh fait 5-0. Encore un but. On n'arrive même plus à les compter. Ça s'arrête plus. Ça tombe à l'humiliation, cette histoire. Ah, l'avance est encore plus confortable et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire. Jonathan Klaus. Les Marseillais qui peuvent avancer dans le couloir. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Ballon pour Osimhen. Oui, le centre, il est bon. Dans la oh, la petite reprise. Jeu qui est signalé. Oh non, putain. Son drapeau et le but est annulé. Ah, j'y croyais tellement là. Mais non. Mais c'est pas évident. Un élan de joie là, qui s'arrête. Pas terrible ce ballon rendu directement aux adversaires. Attention à cette passe. Allez. Oh oui, le but. Salam. Son troisième pour le triplé. Pas de hors-jeu cette fois-ci. Et c'est tellement mérité. Quel réalisme. Ouch. L'adversaire qui se fait exploser la tête. Hein. Et j'espère qu'il a une tête de rechange. C'est la fin du match. Voilà, les Marseillais sont ridiculisés 6-0 sur leur propre pelouse. Terrible désillusion, malheureusement, ils étaient très très loin d'être à ma hauteur, si j'ose dire. Et on va revenir en Ligue des Champions, je crois, le match prochain, avec le match retour face au PSV Eindhoven, qui s'était incliné lourdement 9-0 au Groupama Stadium. Là, ce sera à l'extérieur, donc on verra si ce sera le même score ou pas. En tout cas, approximativement la même désillusion pour l'adversaire. De toute façon, notre groupe en Ligue des Champions est très chill, on va pas se mentir.
On verra la prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite sur FC24 pour la prochaine rencontre. À très bientôt. Ciao.